Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo va parler, quelle surprise, de la correction de l'exercice 51 de la page 34. Alors, je vous ai, comme d'habitude, copié l'énoncé en haut à gauche de votre écran et nous allons faire les calculs pas à pas. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder sur la question 1 qui était simplement le calcul de U1, U2, U3. On a une suite qui est définie avec U0 qui est donnée ainsi qu'une relation de récurrence. Pour calculer U1, U2, U3, c'est très simple. Vous obtenez U0 est égal à 1. Si vous remplacez UN par U0, vous obtenez U1 dans la formule et on trouve U1 qui vaut 5 demi ou 2,5 si vous préférez. On continue U2 qui vaut 7 quarts. Vous savez que je préfère les fractions pour un tas de raisons, mais si vous préférez 1,75, c'est vous qui voyez. Et enfin, U3 qui vaudra 17 huitièmes ou, si vous préférez, 2,125 exactement. Je commence à y avoir pas mal de décimales. Bon, première observation, qu'est-ce qu'on voit? On a U0 qui vaut 1, U1 qui est plus grand, 2,5, U2 qui est plus petit que U1, 1,75, mais U3 qui est plus grand que U2. Sans être plus grand que U1. Bon, alors, clairement, les variations de cette suite, on sent bien que ça ne va pas être très simple de les étudier. Si vraiment vous voulez le savoir, je vous conseille de le tracer sur votre calculatrice, vous le savez, et ça vous donnera une indication plus précise avec un n grand, où vous verrez, pour l'instant, on n'est pas du tout là. Poursuivons. Alors, je réécris la forme par récurrence de cette suite UN qui vaut UN plus 1. Qui est égal à moins 1 demi de UN plus 3. Question, est-ce qu'elle est arithmétique? Est-ce qu'elle est géométrique? Si cette suite avait été arithmétique, il aurait fallu qu'on ait UN plus une constante. Alors on a bien UN plus une constante. Mais on n'a pas que ça. Si elle avait été géométrique, on aurait eu UN fois une constante. Il se trouve qu'on a bien UN fois une constante ici. Mais on n'a pas que ça. Donc elle n'est ni arithmétique ni géométrique, parce que pour qu'elle soit arithmétique, il ne faudrait que ajouter un terme constant, et pour qu'elle soit géométrique, il ne faudrait que multiplier par un terme constant. Là, on a un mélange des deux, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, dont l'étude n'est pas particulièrement au programme, mais que vous pouvez très bien travailler à l'aide d'une suite qu'on appelle en général auxiliaire, c'est-à-dire qui va vous aider à vous échapper de cette forme que vous ne savez pas travailler, revenir sur une forme que vous connaissez, pour à la fin retourner sur la suite de départ. C'est exactement à cela que sert dans notre énoncé la suite VN. Maintenant, on voit bien que cette suite-là, UN, on va rien pouvoir en faire. On n'arrive pas à voir ces variations de façon intuitive et elle n'est dans aucune des deux catégories qu'on connaît et qu'on sait étudier proprement. Donc, ce que l'énoncé nous propose de faire, c'est d'étudier une suite VN qui, elle, va nous sembler beaucoup plus simple. Alors évidemment, on ne vous demande pas de la deviner, on vous la donne. VN égale UN moins 2. Le but de la question 3 est de montrer que cette suite, cette nouvelle suite VN, elle est géométrique et on vous donne directement la raison. Moins 1 demi. Alors, écrivons ce que vaut VN, puisque ce n'est pas tout à fait encore écrit. Ce que je vous propose, c'est de basculer un peu pour qu'on ait de la place. Voilà, j'ai fait un peu de ménage, on peut donc attaquer la question 3 sereinement. Donc, on nous demande de montrer que la suite, ici, elle est VN, cette nouvelle suite, on vous demande de montrer qu'elle est géométrique, et en plus, on vous demande de montrer qu'elle a une raison particulière, c'est-à-dire moins 1 demi. Qu'est-ce qu'on connaît sur VN? Rien d'autre que la relation VN égale UN moins 2. J'ai UN, pardon. UN moins 2. Donc, c'est-à-dire qu'on ne connaît VN qu'à travers UN. Est-ce qu'on voit clairement si elle est ici géométrique ou pas? Bah, pas du tout. Comment est-ce qu'on montre qu'une suite est géométrique? C'est ce qu'on veut montrer. Il y a deux façons. Soit vous trouvez une forme qui vous rappelle la forme par récurrence ou la forme explicite d'une suite géométrique, auquel cas vous pouvez conclure par identification. Vous dites ça, c'est de la forme comme ça, donc c'est une suite géométrique. Bien, il semblerait que là, ce ne soit pas tout à fait évident. Mais on pourrait par exemple chercher la forme par récurrence de la suite Vn. On pourrait se demander par exemple combien vaut Vn plus 1 et voir ce qui se passe. Ah ben Vn plus 1,
Ça vaut donc un plus 1, c'est juste changer l'indice, hein, un plus 1, moins 2. Ici, la seule chose que j'ai fait, c'est remplacer n par n plus 1, et donc un par un plus 1. C'est tout ce que j'ai fait. Je peux poursuivre là pour le coup, parce que un plus 1, je sais combien ça vaut. Ça vaut moins 1 demi de un plus 3, c'est ce qu'il y a écrit en cyan. Donc, du coup, ce que j'ai écrit en cyan là, pardon, je vais le réécrire, un plus 1, ça vaut moins 1 demi de un plus 3, et je n'oublie pas d'enlever les moins 2 qui restent, ce qui me donne au final moins 1 demi de un plus 1. Bien. La relation qu'on a, c'est entre Vn plus 1 et Un. Nous, on veut une relation entre Vn plus 1 et Vn. Donc, on n'a pas tout à fait fini. Alors, à partir de là, il y a deux stratégies. Ce que je vous propose de faire, c'est ici de remplacer Un. Vous allez vouloir le transformer en Vn, puisque vous, vous avez Vn plus 1 là, et vous voulez Vn plus 1 en fonction de Vn et pas de Un. Donc, vous voulez remplacer ce un par un vn. Or, vous avez une relation entre les deux là. Et si vous dites que vn c'est égal à un plus 2, vous pouvez parfaitement écrire la même relation, mais juste avec des un, en disant que un c'est évidemment vn plus 2. Vous êtes d'accord que pour passer de cette relation là à cette relation là, ça n'est pas très difficile. Donc vous avez bien un en fonction de vn, je peux donc le remplacer. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais écrire égal moins 1 demi de quoi? Bah, de ce que je viens de trouver là, c'est-à-dire Vn plus 2 qui vaut un, auquel je n'oublie pas d'ajouter le 1. Parfait, je développe. J'obtiens donc moins 1 demi de Vn plus moins 1 demi de 2. Et bien moins 1 demi de 2, ça fait moins 1. Et j'ai le plus 1. Oh magie, ça s'élimine et j'ai exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire que ma valeur de départ, mon Vn plus 1, il est égal à ce qui reste. J'écris donc que Vn plus 1 est égal à ce qu'il reste, moins 1 demi de Vn, ce qui est exactement, et j'en suis ravi, la définition d'une suite géométrique de raison Q égale moins 1 demi. Je rappelle donc la méthode dans ces cas-là, et vous allez la revoir. C'est vraiment quelque chose de classique lorsqu'on a notamment une suite arithmétique géométrique. Qu'est-ce que je fais? J'ai une relation entre ma suite Vn et ma suite Un. Je ne connais que des choses sur Un et pas sur Vn. Donc, j'écris Vn plus 1 à l'aide de Un plus 1. Un plus 1, je peux le remplacer puisque je connais des choses sur Un, la suite. Je le remplace. Et j'arrive à une relation entre Vn plus 1 et Un, ce qui ne m'intéresse pas, puisque moi j'ai une relation entre Vn plus 1 et Vn. Donc j'utilise ce que j'ai déjà comme relation précédemment pour remplacer Un par Vn, ici, et par simplification, j'obtiens bien une relation avec des Vn, donc j'ai bien Vn plus 1 en fonction de Vn, et je sais donc que ma suite Vn est donc une suite géométrique de raison moins 1 demi. Ça peut paraître compliqué, à vrai dire, ça ne l'est pas du tout. J'ai une suite Vn toute simple, qui est juste Un moins 2, qui se trouve avoir été créée de telle sorte que L en va pouvoir l'étudier, puisque L, cette suite Vn, est une suite géométrique. Et puisqu'on connaît une relation entre Un et Vn, une fois qu'on saura comment se comporte Vn, on pourra en déduire comment se comporte Un. C'est aussi simple que ça. Faisons à nouveau un petit peu de ménage. Bien, j'avais improprement intitulé la question d'avant 3, vous en êtes rendu compte j'espère, parce qu'en réalité il y avait deux questions dans la question 1, à la fois le calcul de U1, U2, U3 et est-ce qu'elle est arithmétique ou géométrique. Du coup, on vient de répondre en réalité à la question 2, répondons vraiment à la question qui est vraiment numérotée 3. Ce coup-ci, je me suis recalé sur les bons numéros. En déduire l'expression de Vn en fonction de n, puis de Un en fonction de n. Alors je viens de voir que Vn plus 1 était égal à moins 1 demi de Vn. C'est donc une suite définie par récurrence, géométrique, je peux donc parfaitement la passer sous forme explicite. Mais pour cela, j'ai besoin de quelque chose de plus. Vous savez que pour définir une fonction, j'ai besoin de la relation par récurrence, mais c'est pas tout de son premier terme.
Alors, V0, ça vaut combien? Ici encore, je vais avoir besoin de la relation entre Vn et Un. On sait que Vn égale, je vais le réécrire, c'est plus simple, Vn égale Un moins 2, et c'est vrai pour tous les n, donc V0 vaudra U0 moins 2, ce qui est vrai aussi au rang 0. On sait que U0 vaut 1, on sait que U0, disais-je, vaut 1, du coup 1 moins 2, moins 1, V0 égale moins 1. Là maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour passer de cette forme, qui est une forme par récurrence, avec ce que me demande l'énoncé, c'est-à-dire Vn en fonction de n, soit une forme explicite. Je vous rappelle la formule point de suite géométrique, c'est U0, ici qui vaut moins 1, on va donc écrire, oh, pas besoin de changer de couleur, c'est là, très bien, moins 1, V0, multiplié par Q puissance n, alors la raison Q, c'est moins 1 demi à la puissance n. Attention, les parenthèses sont ici indispensables, puisque la puissance n prend le tout, hein, le moins, le 1 et le 2. Ne me mettez pas sans parenthèse, ça ne prendrait que le 1. Voici cette suite définie de façon explicite. Du coup, vous avez répondu à la première partie de la question, on nous demande d'en déduire un en fonction de n. Bon, eh bien, j'ai aussi vu juste avant, en passant de V, qu'on pouvait passer de Vn à Un, mais aussi de Un à Vn dans les deux sens, en écrivant juste le symétrique, c'est-à-dire en passant le moins 2 de l'autre côté. Je sais que Un, c'est Vn plus 2. Bon, ben, je sais ce que vaut Vn, hein. Donc Un, je prends ce que je viens d'avoir juste avant, c'est-à-dire moins 1 multiplié par moins 1 demi à la puissance n, qui vaut Vn, auquel j'ajoute juste 2. Voilà, j'ai répondu à la question 3. J'ai ici l'expression de Vn en fonction de n grâce à la forme explicite, enfin, la forme explicite, pardon, grâce à la forme par récurrence. Et ici, j'ai bien un en fonction de n grâce au passage d'une forme à l'autre. Bon, c'est tout. Bon, question 4, étudier et déterminer, pardon, le sens de variation de la suite un. Cette suite-là, un, elle est, on le savait, hein, elle est toujours ni arithmétique ni géométrique, c'est sans surprise, hein, et la suite vn nous a aidé à trouver sa forme explicite qu'on ne pouvait pas déterminer autrement. Je vous rappelle qu'on était coincé, on n'avait pas de formule qui nous la donnait, là on a trouvé une astuce, ça nous donne la relation un ici en fonction de n. Très bien. Alors du coup, il pourrait y avoir quelque chose qui est d'essayer la méthode par la fonction. Ce serait possible, mais la fonction, ce serait f de x. On peut étudier les variations de la fonction, qui est f de x, la fonction qui correspond, qui serait moins, le moins 1 n'est pas très important, moins 1 demi puissance x plus 2. Alors, est-ce que cette fonction, vous avez vraiment envie de l'étudier? Est-ce que, par exemple, vous savez dériver des fonctions de cette forme-là? À vrai dire, on n'a rien vu là-dessus. On sait dériver un tas de fonctions, mais vous vous souvenez, dans un ensemble de fonctions restreint par notre tableau, pour l'instant, que nous n'avons pas encore complété autant qu'on le pouvait. Vous savez qu'il reste un bout dans l'année, et il reste aussi l'année prochaine. Donc, pour l'instant, on a vu des fonctions polynômes, des fonctions de référence, etc., mais on n'a pas vu les fonctions de type quelque chose puissance x. La dérivée de ça, on ne l'a pas étudiée. Donc, ça, hélas, pour nous, on ne va pas pouvoir s'en servir. Donc, du coup, il nous reste deux méthodes, un plus 1 sur un et un plus 1 moins un. Alors, un plus 1 sur un, ça vous donnerait l'étude de ce quotient-là, qui est moins 1 fois moins 1 demi puissance n plus 1 plus 2, divisé par moins 1 fois moins 1 demi puissance n plus 2. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous ne pouvez ici faire aucune simplification à cause de ce plus-là. On ne peut absolument pas faire de simplification étrange comme certains d'entre vous aiment bien le faire. Il n'y a rien qui va se supprimer. Par exemple, les moins 1 et les moins 1, vous aimeriez bien les supprimer ici. Oui, sauf que là, ils n'y sont pas. Et si jamais vous voulez les mettre, il faudrait d'abord mettre en facteur, ce qui ne serait pas tout à fait simple. En gros, c'est un beau bazar. On ne va surtout pas faire ça. Elle ne se simplifie pas du tout, cette fraction, et poursuivre des calculs fastidieux ne va pas nous aider. Donc, vous avez bien compris que la seule méthode qu'il nous reste, un peu par défaut, mais aussi parce qu'elle va bien marcher ici, ça sera un plus 1 moins un. Un peu de ménage, et on y va. Donc, voici un peu de ménage, j'ai réécrit ce que vaut un, moins 1 fois, mais 1 fois ça ne changera rien,
Donc on peut enlever le 1, moins, entre parenthèses, moins 1 demi à la puissance n plus 2. Faisons un plus 1 moins un. Alors écrivons d'abord ce qu'est un plus 1. Vous avez l'habitude. On va remplacer n par n plus 1. Donc tout ce qui n'est pas n, on n'y touche pas, on le réécrit exactement pareil. Et lorsqu'il y a un n, à la place, j'écris n plus 1. Bien, je trouve ceci. Et je peux parfaitement me dire que ça va être égal à quelque chose qu'on va souvent utiliser, que la puissance n plus 1, c'est comme la puissance n fois la puissance 1. Vous en souvenez, ça c'est quelque chose qu'on utilise très souvent dans la suite géométrique. On utilise que ceci vaut cela. Je le fais directement, ça allégera notre écriture. Écrivons donc un plus 1 moins un. Alors, un plus 1 moins un, qui va nous servir à étudier le sens de variation de la suite un, ça va être, j'écris un plus 1, tel que je viens de l'écrire juste avant, moins, entre parenthèses, moins 1 demi puissance n multiplié par moins 1 demi plus 2, j'ai juste recopié, auquel je soustrais un. Alors attention, je soustrais tout un. Donc, je vais bien prendre soin de mettre des parenthèses. Et ici, je soustrais ce qu'il y a écrit pour un. Et je ferme les parenthèses. Voilà. Donc, je vais enlever ce distribuer, enlever comme vous voulez ce signe moins ici. Et tout mettre sur la même ligne. Il va donc rester moins ici. Alors, pardon. Moins 1 demi multiplié par moins 1 demi plus 2, moins par moins plus, moins 1 demi à la puissance n, moins par plus, moins 2, qui vont se supprimer tranquillement, plus 2, moins 2 va s'en aller. Je vais donc, par souci de simplification, ça m'évitera de tout réécrire, et puisque je peux le faire, effacer proprement ceci, voilà ce qui me reste. On remarque qu'il y a ici un plus entre les deux, et que j'ai quelque chose en commun, moins 1 demi puissance n, moins 1 demi à la puissance n. C'est fait exprès. Je vais donc pouvoir le factoriser. Factorisons cela. Alors, ça nous donne moins 1 demi à la puissance n, qui est notre facteur commun, hein, qui est donc, je vais le mettre en bleu, donc j'ai dans les deux cas moins 1 demi à la puissance n, très bien. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme, ici, il va être, on va ouvrir la parenthèse, il va rester moins 1 demi. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Hein. Dans le premier, il reste moins et il reste moins 1 demi, ici, une fois qu'on a pris le moins à la puissance n. Et dans le deuxième, il ne reste rien, donc il va falloir quand même que je mette 1, hein, je ne peux pas mettre 0, hein, puisque ça va être, lorsque je vais distribuer, j'aurai moins 1 demi puissance n plus 1. D'accord ? Pour retrouver le moins 1 demi puissance n. Voilà. Ce qu'il y a, je peux le développer. Il me reste donc moins 1 demi à la puissance n. Et à l'intérieur de la parenthèse, moins par moins plus. Et donc j'aurai plus 1 demi plus 1, 3 demi. Bon. Je vais l'écrire différemment. C'est égal à 3 demi multiplié par moins 1 demi à la puissance n. Voilà, un plus un moins un. Après toute une série de calculs qui, je suis sûr, vous auront beaucoup plu, vous aurez adoré. Si on ne se trompe pas, si on fait bien attention, et surtout, si on retient bien la stratégie qui est de passer de la puissance n plus 1 et de la découper en puissance n fois puissance 1 pour pouvoir, dans cette étape-là, factoriser par ceci, chose que je n'aurais pas pu faire avant, vous obtenez quelque chose comme cela, à savoir que la différence des deux, attention, c'est juste la différence, hein, est égale à 3 demi fois moins 1 demi à la puissance n. Qu'est-ce que je veux faire de la différence un plus 1 moins un? Tous ces calculs ne doivent pas vous avoir éloigné de la question. On cherche le sens de variation. Pour chercher le sens de variation, on doit étudier le signe de ceci. Est-ce que ceci, ou quand est-ce que ceci, est positif, négatif, etc. Donc, on va se demander quel est le signe de cette chose. Bon, bah 3 demi, c'est toujours positif, ne bougera pas.
moins 1 demi à la puissance n, quel est le signe de cela? Alors là, c'est quelque chose qui est assez classique également. Lorsque vous avez un nombre négatif que vous mettez à une puissance, il va alternativement être négatif et positif en fonction de la parité de la puissance. Faisons un petit encart et voyons avec moins 1 à la puissance n ce qui se passe. Lorsque j'ai moins 1 à la puissance 0, je vais obtenir 1 par défaut, tout à la puissance 0, ça vaut 1. Moins 1 à la puissance 1, c'est juste moins 1, donc ça vaut moins 1. Je suis passé de plus à moins. Moins 1 à la puissance 2, ben c'est un carré, toujours positif, ça va faire 1. Moins 1 à la puissance 3, je vais reprendre ce que j'avais avant et le multiplier par moins 1. Ce sera donc négatif. Vous comprenez que je vais avoir plus, moins, plus, moins. Je ne vais pas arrêter d'alterner de signes du fait que pour passer de l'un à l'autre, puisque j'ai des puissances, je multiplie en gros par moins 1. Donc le fait de multiplier par moins va changer systématiquement. Quand j'aurai un plus, j'ai un plus ici, je multiplie par un moins, j'aurai donc un moins. Ici, j'ai un moins, je multiplie par un moins, j'aurai donc un plus, etc. J'ai un plus, je multiplie par un moins, j'aurai donc un moins, etc., etc. Ça ne va jamais changer. Ce rythme va toujours être conservé à l'infini. C'est exactement ce qu'on va avoir ici. On a beau avoir 1 demi, la valeur changera. Le fait de l'avoir fait avec un exemple de 1 nous a simplifié les calculs. Ça, cet exemple, je l'ai fait avec 1, mais c'était juste pour avoir des valeurs numériques faciles. À vrai dire, là-dedans, la seule chose qui va changer, c'est les valeurs numériques. Puisque le signe, lui, ne va pas changer. J'aurai une succession de plus et de moins. Je n'aurai donc jamais de tendance, jamais de n, à partir duquel la différence un plus un moins un aura un signe constant. Ça va toujours, sans cesse, changer de signe, alterner de moins à plus. Je n'ai donc pas de signe de la différence qui est clair. J'ai donc une suite qui ne va être ni croissante ni décroissante. Elle ne va pas arrêter de varier. Effaçons tout ça et regardons le 5. Alors, la question 5, c'est vers quelle valeur semble tendre un lorsque n tend vers plus l'infini? Je vous rappelle que là, nous sommes en train d'étudier une suite que vous ne connaissez pas, qui est une suite compliquée. Elle n'est ni arithmétique ni géométrique, c'est un mélange des deux. On ne sait pas l'étudier directement, on a été obligé de passer par V. Du coup, vous avez trouvé sa forme explicite qui n'était pas simple. Vous venez de voir que ces variations ne sont pas simples, mais pourtant, vous y arrivez. C'est une suite compliquée, mais on a tous les outils pour la traiter maintenant. Vous savez absolument tout faire. Vous savez qu'une suite dans votre cours qui ressemble à ça, en haut, en bas, en haut, en bas, vous avez moins 1 puissance n, et vous savez que cette suite n'a pas de limite. Vous pourriez être tenté de vous dire que la suite du coup un n'aura pas de limite non plus. Eh bien, vous trompez. Regardons ce qui se passe. Alors déjà, la première méthode, c'est d'utiliser la calculatrice, et encore une fois, je vous y encourage. Vous utilisez donc, maintenant que vous avez la définition par récurrence et explicite, vous utilisez le menu que vous voulez et vous obtenez, je vous l'insère là juste dessous, une suite de nombres que lorsque vous faites défiler, vous allez voir que votre suite va tendre vers la valeur 2. On le voit très rapidement, hein. Vous voyez que déjà au rang 3, ça vaut 225, un tout petit peu au-dessus de 2. Puis au rang 4, un tout petit peu en dessous, puis vous vous rapprochez, 5, très proche de 2, 6 aussi très proche de 2 par en dessous, et plus vous vous rapprochez, très rapidement, vous avez 2,000, etc., ou 1,999. Donc ici, avec la calculatrice, vous avez intuitivement le fait que la limite tende vers 2. Il y a une façon plus mathématique de procéder. Quelle est cette façon mathématique de procéder? C'est d'utiliser, pardon, mon écran bouge, d'utiliser la forme explicite. On va écrire un est égal à moins moins 1 demi puissance n plus 2. Ça, c'est la forme explicite de votre suite. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de ce nombre-là, qui est le nombre moins, je le réécris, moins 1 demi à la puissance n plus 2. Alors, étudions proprement ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Le 2, là, le plus 2, c'est une constante. Et c'est elle qui va donner la limite. Elle ne va pas être influencée par la variation de n lorsque n tend vers plus l'infini. Elle ne bougera pas. La seule chose qui va bouger, c'est ceci.
Et ceci, lorsque n tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça donne? Alors, rappelez-vous de ce qui se passe lorsque on prend un nombre qui est compris entre 0 et 1 et qu'on fait tendre la puissance de n vers l'infini. Par exemple, q puissance n lorsque q est compris strictement entre 0 et 1. Ça va être décroissant, ça va descendre, descendre, descendre et se rapprocher sans cesse de 0. Pourquoi ? Parce que 1 demi à la puissance n, vous avez 1 demi, et lorsque vous le multipliez par lui-même, 1 demi à la puissance 2, ben vous allez obtenir 0,25, c'est plus petit, et lorsque vous multipliez ça par 1 demi, vous divisez encore par 2, donc si je le refais encore fois 1 demi, j'obtiens ici 0,125, etc., etc. Le fait que les signes alternent à cause de ce moins-là ne va pas vraiment nous intéresser. Certes, il y aura moins, plus, moins, plus, moins, plus, super. Mais la valeur, elle, va suivre ce schéma. 0,5, puis lorsque vous multipliez par 0,5, 0,25, puis lorsque vous multipliez par 0,5, 0,125, etc., etc. Elle ne va cesser de tendre vers 0. En fait, la limite de ce que j'ai entouré en rouge, de ceci, ça va tendre vers 0. Il ne va donc plus rester que le 2. Donc on peut dire que c'est égal, vous en doutez, mais ça va mieux en l'écrivant, à la limite quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 demi puissance n qui, ici, va comme la valeur entre les parenthèses de la puissance n, c'est pas la peine de changer de couleur, reste là, est plus petite que 1, est comprise entre, à vrai dire en valeur absolue, hein, est comprise entre moins 1 et 0, et donc moins 1 demi c'est plus petit que 1, ça va nous donner 0, auquel on va ajouter la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2, et qui va, elle, ne pas bouger et rester 2. Donc, conclusion, ce machin-là, ça tend vers 0, l'autre partie ici tend vers 2, la limite sera de 2. Nous sommes d'accord que l'étude de cette suite n'est pas tout à fait aisée. Il se trouve que si vous respectez scrupuleusement les méthodes que nous avons vues, c'est-à-dire reconnaître que ce n'est ni une suite arithmétique ni une suite géométrique, étudier tranquillement les valeurs d'une suite auxiliaire Vn faite spécialement pour nous aider à trouver la formule de Un, en remplaçant pas à pas comme on l'a fait, puis à l'aide de la formule de Un, en déduire ses variations et ses limites, vous voyez que vous êtes capable de tout faire. La limite, cette année, je vous l'ai dit, n'est qu'une sorte d'introduction, et donc l'intuition par la calculatrice, ou remplacer, pourquoi pas, n par un grand nombre. On aurait très bien pu imaginer que dans cette expression-là, pour tester, vous remplaciez n par 10 000, par exemple, et puis par 100 000, et puis par 1 million. Vous auriez vu qu'à chaque fois, vous avez une valeur extrêmement proche de 2. Vous auriez donc pu conjecturer la limite aussi en remplaçant n par un très grand nombre, peu importe. La vraie méthode que vous apprendrez à approfondir plus tard, c'est celle-là, mais la calculatrice ou remplacer par un grand nombre vous donne de très bonnes indications, et la question ici était vers quelle valeur semble tendre, c'était donc une conjecture. Ne soyez pas affolé par la difficulté apparente de cet exercice, sachez le faire pas à pas, je suis sûr que la plupart d'entre vous en sont tout à fait capables. Avec la correction, je suis sûr que cela vous aura aidé. Bon courage, à bientôt.